Nang's Reborn. Wow! Bonjour les amis, bienvenue sur Nang's Reborn. Nous sommes de retour pour une vidéo de type réaction. Je vais réagir sur quelque chose d'étrange que j'ai vu. Mais c'est un truc de ouf. Un homme nous dit que ils ont attrapé l'avion des sorciers qui volent l'argent des gens. Mais regardez! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Mais regardez bien là. On nous montre clairement ici, là, quelque chose qui ressemble à un arbre à l'argent, quoi. Un arbre où pousse l'argent même. Le monsieur nous dit que ce n'est pas en réalité un arbre. C'est un truc mystique sur lequel les sorciers viennent mettre l'argent des gens qu'ils ont volé. Et après avoir mis l'argent des gens qu'ils ont volé là, ce qui se passe, c'est que les gens en question commencent à avoir des problèmes dans les affaires, des problèmes à gauche et à droite, ils n'arrivent plus à avoir de l'argent facilement, les choses se compliquent de plus en plus. Nous allons tout découvrir ici. Et de l'autre côté, vous pouvez voir aussi des choses mystiques qui ont lieu. Une femme va nous montrer comment des sorciers se sont transformés en des souris pour venir à manger son argent qu'elle a économisé pendant plusieurs mois. Vous voyez ça? Donc les sorciers sont transformés en souris, quoi. Rentrés dans sa caisse en bois et ils ont carrément tout mangé. Et encore le pire, même le pire des pires de cette histoire, c'est que dans ce monde, il existe des objets piégés. Ou bien comment on va dire ça? En fait, c'est ce genre d'objets, on va dire des caisses, des petites caisses comme ça, où des gens mystiques ont enfermé des démons. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Ce que vous voyez ici, là, où j'ai écrit « démon », vous voyez? Voici une fille qui s'est amusée à acheter l'un de ses objets, cette caisse-là. Et quand elle a ouvert la caisse, qu'est-ce qui s'est passé? Une fumée bizarre en est sortie. Et on nous dit que la fumée en question, là, c'est la manifestation de la sortie du démon. Mais c'est de ouf. Mais c'est du... Comment c'est possible, les amis? Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Vous ne l'aurez pas cru. C'est pourquoi j'appelle cette vidéo-là une vidéo de type réaction. Parce que hein, vous-même, vous allez voir et vous allez réagir en commentaire et me dire si c'est vrai ou... C'est de la blague. Bon, nous allons voir ça. Vous voyez ça? Ça commence par ici. Cette vidéo, c'est un avion de sorcier qui vient d'être saisi par un autre sorcier qui est super puissant. Oui, dans cet avion hein, que vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est tous les liens financiers. Donc, il y a de l'argent sur l'avion. Donc, c'est ce que les sorciers sont en train d'expliquer. Voilà ce qui vient d'être saisi. Ça, c'est l'avion des sorciers avec l'argent. Hein? Vous pouvez souffrir du jour au lendemain d'un problème financier, alors que les sorciers peuvent envoyer des chats, ils peuvent envoyer des rats, ils peuvent envoyer des serpents pour prendre votre argent dans votre maison, dans les garde-robes un peu partout. Et cet argent est amené chez les sorciers pour lier votre finance. Wow. C'est ce qui arrive dans certains cas. Vous êtes marié, du jour au lendemain, vous avez une crise financière sans précédent. Voilà ce qui arrive et ce que ce monsieur est occupé à expliquer. Un avion de sorciers saisi avec plein de billets de banque. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Effectivement,
Et effectivement, il y a plein de billets de banque là-dessus. Plein de billets de banque là-dessus. Est-ce que vous voyez comment il y a le mal dans ce monde? Est-ce que vous voyez comment l'esprit du mal est vraiment dans ce monde, hein? Quand on dit que le diable est descendu et que nous, les humains, nous devons vraiment faire très attention parce que le diable est vraiment là. Toutes ces choses qu'on nous dit souvent dans la Bible. Vous voyez ça? Elle dit que depuis que le diable est descendu, hein, il n'y a que de mauvaises choses sur la terre, les amis. Il n'y a que de mauvaises choses, je vous assure. Que de mauvaises choses. Comment tu vas aller prendre l'argent d'autrui et aller pousser l'argent de cette personne sur un arbre démoniaque ou bien sur un fétiche pour bloquer les finances de cette personne, pour bloquer les affaires de cette personne? Vous voyez maintenant pourquoi certaines personnes ont du mal à donner. Vous voyez? Parce que tu donnes, tu vas faire un geste à quelqu'un, cette personne va te maudire derrière. Cette personne va te compliquer la vie derrière. Ou bien, si cette personne n'arrive pas à t'avoir, elle risque de passer par un autre moyen, comme quoi envoyer des souris chez toi pour manger tes dossiers, pour manger des trucs importants, des nouveaux vêtements, ou même ton argent. Regardez. Vous voyez ça? Voici les souris là, hein? Les souris de la caisse de la femme. Oui. Les souris sont venues manger carrément son argent, quoi. Vous voyez ça? Oh, de mon livre, touch. Oh, de mon livre, touch. Oh, non, moi. Oh, each of the money. Elle dit que ces souris là, ces souris de sorciers ont mangé tout cet argent. Elle dit tout, il n'y a rien, même il n'y a aucun billet, même pas un seul billet utilisable, les amis. Même pas un seul billet utilisable. Hein? Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Ça, c'est le haut niveau. Le haut niveau de la méchanceté, les amis. Ah, en tout cas, je vous le dis, hein, les sorciers sont méchants. Quand dans la Bible, on dit que oh, ce sont les méchants, oh, on les appelle les méchants. Mes frères et sœurs, ceux qui sont vraiment méchants, ils sont réellement méchants. Le diable est vraiment trop méchant. Comment quelqu'un va travailler dur, très dur? Il travaille, il économise un peu. Il se dit qu'il met dans sa caisse. Au lieu de le mettre à la banque, lui, il dit qu'il met ça dans la caisse, lui, pour faire voir la banque à la maison. Maintenant, regardez la banque à la maison, c'est que ça donne. Les sorciers, ses ennemis sont venus trouver sa banque à la maison, les amis. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez, est-ce que vous voyez ce que c'est, les amis? Du haut jusqu'en bas, ils ne se sont même pas amusés. Hein? Ça, c'est vraiment terrible. Est-ce que c'est peut-être la faute à la fille parce qu'elle n'a pas utilisé peut-être une bonne caisse, etc. Bon, peut-être vous pouvez dire que oh, c'est peut-être parce que elle a utilisé une mauvaise caisse et tout ça. En tout cas, moi, je vous dis, les sorciers utilisent vos erreurs pour vous créer des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fille, là, elle peut aller au marché et puis les mêmes sorciers, là, hein, vont lui suggérer de prendre cette caisse en bois. Parce qu'ils ont l'intention de lui envoyer des rats ou des souris chez elle. Pour que les souris là puissent bien passer. Vous voyez? Ça concerne même le travail, même comment souvent. Dès le marché où tu vas acheter les sorciers, là sont déjà là-bas et t'attendent. Pour te faire de mauvaises suggestions, pour te donner de mauvaises idées. Des idées qui vont te conduire plus tard dans ça là, et tel problème. Vous voyez ça? Regardez la caisse là. Hein. Où est la caisse là, non? La caisse en bois de la tante. La caisse en bois de la voisine, les amis. Ah, waouh! Les souris là sont bien calés là-dedans. Ils sont. Non, ça, ce ne sont pas des souris ordinaires, les amis. Ça, ce ne sont pas des souris ordinaires. Hein. En général, hein, quand les sorciers vous envoie les mouches, ou vous envoie les moustiques, ou vous envoie les cafards, ou des araignées,
Quand vous voyez ces araignées là, ressemblent à des araignées ordinaires. Ces moustiques là ressemblent aux moustiques que vous avez l'habitude de voir. Ces mouches là ressemblent aux mouches que vous avez l'habitude de voir. Mais le problème se trouve au niveau de leur comportement. Observez bien le comportement de ces moustiques là. Observez bien le comportement de ces mouches là. Quand vous êtes tranquille, vous ne faites rien, vous êtes juste en train de penser à tout et à rien, ils ne font rien. Mais dès que vous voulez vous mettre à travailler ou faire quelque chose d'important, automatiquement, net, vous voyez les mouches apparaître devant vous. Les mouches apparaissent sur vos dossiers, sur vos affaires, à gauche et à droite. Ça, ce n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle la mouche et les moustiques même envoyés par les sorciers. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est là le discernement. Regardez. Pourquoi vous êtes venu vous trouver là où se trouve la caisse et cette dentille là, les amis? Elle a tellement pleuré qu'elle ne peut plus pleurer. Regardez comment le diable est mauvais. Et tout cet argent, regardez tout cet argent, ils ont tout vraiment tout détruit quoi. La destruction, ils ne sont que là pour détruire les amis, ils ne sont que là pour détruire. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela veut dire que si vous donnez l'occasion à vos ennemis, ils vont en profiter. C'est-à-dire que toi tu vas marcher et puis eux te suggèrent d'acheter une telle caisse. Toi, tu dois avoir l'esprit de discernement pour te dire « j'ai regardé une vidéo une jour sur un soubon. » On a vu que cette caisse-là n'est pas une bonne caisse. Les souris peuvent venir manger ça. Les sorciers peuvent passer facilement pour faire des trucs bizarres. Donc toi, après avoir vu cette vidéo, tu vas faire très attention. Peut-être mettre ton argent à la banque ou bien acheter quelque chose de beaucoup plus solide. Peut-être un coffre fort ou bien en tout cas quelque chose de beaucoup plus solide. Est-ce que tu vois? Quand maintenant, quand tu as acheté quelque chose, cette chose qui est beaucoup plus solide là, eux, les sorciers, ils seront bloqués. Tu as acheté du fer, tu as acheté du métal, tu as acheté de l'acier, donc ils ne pourront plus envoyer les souris comme ça pour venir percer. Donc, ils vont changer de stratégie. Changer de manière, passer par d'autres manières. En tout cas, ils vont changer de stratégie pour essayer de tout compliquer la vie. C'est pourquoi on vous dit, les amis, dans la vie, faites très attention. Faites vraiment très très attention. Quand on vous dit que le diable est descendu, le diable est vraiment descendu et il travaille. Maintenant, quel est son travail? Son travail, c'est de nous compliquer la vie. Son travail, c'est de nous tendre des pièges à gauche et à droite, même là où il n'y en a pas, les amis. Là où il n'y en a pas, il va créer une situation pour nous compliquer la vie là-bas, les amis. Ce n'est pas de la blague, c'est une chose réelle. C'est là que tu vas veiller sur tes pas, savoir où tu mets les pieds. Et oui, si tu as acheté un coffre fort et que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de femme, tu vas réfléchir sur comment il va faire pour pouvoir avoir accès à ta thune, à ton argent, à ton confort, à même tout le code. Donc, tu vas t'envoyer qui? Va placer sur ton chemin plusieurs filles sorcières. Elles peuvent être 10, elles peuvent être 20. Elles sont placées sur ta route. Chaque jour du soir, elles sont là. Elles sont vestées. Tu sors, tu le vois seulement. Mais beaucoup ne savent pas que ce sont les sorcières. Et vous voyez juste une jolie fille. Une jolie fille qui passe alors que c'est une sorcière même qui passe. Si tu te trompes, pour aller draguer cette fille hein, sans savoir qu'elle est sur le cadavre, sans savoir que je veux dire qu'elle est là. Si tu te trompes pour aller draguer cette envoyée du diable, elle va rentrer chez toi. Et la première chose à faire, hein, c'est de chercher à savoir comment elle va faire pour toucher ta caisse là. Comment elle va faire pour toucher ton confort. Parce qu'elle sait pourquoi elle est là. Elle va faire semblant de t'aimer. C'est facile. Il faut faire semblant de t'aimer alors qu'elle sait très bien ce qu'elle vise. Et elle sait très bien ce qu'elle vient chercher chez toi. Elle sait très bien. Les sorcières, elles savent très bien qui vous êtes, quelle est votre vie.
elles savent tout sur vous et puis elles sont là. Mais elles font semblant comme si elles sont inoffensives. Parfois, on dit que oh, moi je vais à l'église, je suis baptisé, confirmé. Oh, à l'église, je suis la chante de l'éternel, la chante de Dieu. Alors que c'est le diable à qu'elle a. Ha! Maintenant, nous allons découvrir d'autres pièges. Comme je vous ai montré, le diable elle n'est que sur la terre pour nous créer des ennuis. Voici, quelqu'un va prendre son argent pour aller acheter quelque chose sur Internet. Alors là, faites attention, ce ne sont pas toutes les choses que vous voyez sur le marché qu'on achète. Ce ne sont pas toutes les choses que vous voyez sur Internet que vous pouvez acheter. Regardez, attention aux achats sur Internet. Là, on va parler maintenant d'un démon qui est sorti d'un coffre, les amis. Quand on te dit de vraiment faire attention, regarde. On te dit de vraiment faire attention à ce que tu achètes sur Internet. Regarde très bien. Elle a acheté un truc. Elle se disait que oh, c'est juste un truc, on va juste blaguer avec. Jusqu'à la fin une vidéo, parce que c'est juste de la blague. Alors qu'elle ne maîtrise pas la situation, elle ne maîtrise pas les choses spirituelles. Et que va-t-il se passer? Regardez très bien ce qui va se passer. Regardez très très bien. Une. Boum. Elle ouvre la fenêtre et elle aspire le démon. Et le démon maintenant est entré en elle. Par ça, par le fait qu'elle a aspiré cette fumée-là. Cette fumée qui sort. Où est la fumée? Non? Où est la fumée? C'est pourquoi souvent on vous dit que ne vous arrêtez pas à côté de quelqu'un qui fume. Parce qu'une personne qui fume, si la personne là jette la fumée et que vous respirez, c'est comme si vous étiez un fumeur. Même plus fumeur que fumeur. Vous voyez un peu? Mais là, c'est encore plus grave. Parce que ça, là, c'est un démon qui serait sorti par là, comme le dit cette femme qui se trouve là derrière, les amis. Regardez, elle a même toussé, regardez. Attendez, on va revenir juste un peu. Pour que vous puissiez bien voir de vous-même, hein, sans arrêt. C'est la vie. Quand on te dit de vraiment faire attention, regarde. Incroyable. 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 Allez, oui, ça. C'est une vidéo de type réaction. Ma réaction est carrément immédiate. Hein. C'est comme en live. Ça m'étonne même. Regardez ça. Regardez son visage même. Regardez quand il voit son visage, il me dit, mais waouh. Ah! Regardez son visage. Elle a touché quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Et cette chose risque de créer des problèmes. À ton avis, c'est quoi? Ça s'appelle une debunk box. Cette fille vient de libérer une entité qui était enfermée dans cette box. Donc en fait, elle a non seulement libéré l'entité, mais en plus, elle l'a carrément aspirée. Quand je te dis qu'il faut faire attention dans ce monde, c'est pas pour rien. Les debunk box sont une réalité. En fait, c'est simple. Une debunk box, c'est une boîte où il y a une entité enfermée. Et c'est pas pour rien si cette entité-là a été enfermée dedans. Et ce n'est pas pour rien. Si cette entité-là a été enfermée dedans, écoute encore. Sont une réalité. En fait, c'est simple. Une debunk box, c'est une boîte où il y a une entité enfermée. Et c'est pas pour rien si cette entité-là a été enfermée dedans. Tu comprends? L'histoire la plus connue, c'est avec Post Malone, ce rappeur-là. En fait, c'est simple. T'as une debunk box qui est exposée dans le musée de l'horreur et des fantômes à Las Vegas. Il s'était amusé avec son pote à enlever le plexiglas qu'il y avait autour et à toucher la boîte. Bah c'est simple, depuis il lui arrive que des galères. Son avion a failli se crasher, il a été cambriolé, il a subi un énorme crash de voiture, et tout ça dans le mois qui a suivi sa visite du musée. Et cette histoire elle est connue hein. Donc ouais, moi mon conseil à moi c'est d'éviter de faire ce genre de choses en fait. Tu sais pas ce qui peut te coller. Et après, bonne chance pour t'en débarrasser. Parce que il est une chose de faire sortir le démon de sa cachette, mais il est une autre chose de le faire partir ou retourner là d'où il vient. Ah, là c'est la guerre. Les amis, si je vous montre toutes ces choses aujourd'hui,
c'est pour confirmer et même prouver tout ce que je vous ai déjà dit, que je vous montre sur la chaîne Nyos Reborn, pour vous dire, les amis, ce n'est pas de la blague. Le monde mystique existe. Ce monde est trop. Ce monde même est déjà mystique. Ce monde est spirituel. Les gens travaillent selon le code spirituel, selon le code mystique. Si vous, vous n'êtes pas au courant, vous allez vous retrouver des pièges terribles. Et vous ne saurez même pas comment faire pour vous en sortir. Hein? Hein? Waouh! Danger, les gars. Danger. Dites-moi maintenant laquelle de ces vidéos vous avez le plus impressionné. Parce que moi, la vidéo qui m'a le plus impressionné, je ne vais pas vous cacher. Hein. Bon, il y a deux vidéos. Il y a la vidéo où on voit cette fille qui a vu tout son, toute son économie être bouffée par une souris. Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment très, très, très mal. Et je suis touché. Et Dieu lui donne la force de pouvoir vraiment surmonter cette épreuve. Ce n'est pas facile. Alors, la dernière vidéo qui m'a vraiment le plus touché, c'est cette vidéo où cette fille a carrément ouvert ce que cette femme appelle du big box. C'est-à-dire le truc où tu pousses puis la fumée sort là. Voilà. Ça là, ça m'a aussi impressionné. Ça m'a aussi impressionné. Hein, parce que la fumée est réellement sortie. La cette fille a aspiré la fumée. Et moi, je vous le confirme. Cette fumée-là, l'odeur qui sort avec, là, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Vous savez que ce n'est pas quelque chose de bon, même que vous avez aspiré. Vous voulez des respects, quelque chose de grave. Vous le sentez sur place. Du coup, c'est juste son ouvert comme ça. Ah, c'est ça. Et là, maintenant c'est parti comme ça. Le problème est parti comme ça. Elle a touché quelque chose qui va commencer à lui créer des problèmes. Et là, comment elle va combattre cette chose qui va venir tout de suite lui envoyer le remède afin de pouvoir croquer le retour de son erreur. Il n'est même pas permis de faire des erreurs ici. C'est du ouf, c'est un monde ouf, c'est un monde bizarre. Il ne vous a même pas permis de faire une erreur. Quoi. Il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur, les amis. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus d'erreur. Donc, partagez cette vidéo hein, pour que ça aide beaucoup de personnes à avoir la connaissance de ces choses pour sauver les gens. Partagez au maximum cette vidéo. Je ne peux pas te laisser vous j'aime. Ça va aider cette vidéo à aussi monter dans les statistiques afin qu'elle soit vue et que beaucoup de gens puissent carrément comprendre ce que vous venez de comprendre. Ce monde n'est pas ce que vous croyez. Quand vous voyez les gens qu'on appelle les sorciers, vous voyez les gens qui viennent carrément, ils s'habillent en noir et puis vous disent qu'eux sont les adorateurs du diable. Quand vous voyez les stars de la musique, vous dites ouvertement qu'elles ont vendu leurs âmes au diable. Ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas pour rigoler. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, hein. Moi, je vous le dis, ce n'est pas de la blague. Si vous pensez que c'est de la blague et que les gens, ces gens-là disent cela juste pour amuser la galerie, non, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Faites attention, les amis. Faites attention. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Tu laisses un j'aime, comme je t'ai dit, tu partages la vidéo et puis. Si vous voulez nous soutenir et nous aider à évoluer dans le travail que nous faisons, regardez la vidéo qui suit, ça va vous donner plus d'informations sur comment faire pour faire les dons et nous soutenir. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Nyos Reborn,
vous pouvez le faire. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollar apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superflix. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. Donc, épinglé par Nyans Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pouvez tout simplement faire le don pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.